Aujourd'hui, ton ange aimerait te dire ce que je te demande aujourd'hui, c'est de partager. Partager ce que tu as, ce que tu es. Regarde un peu autour de toi. Il y a des gens qui n'ont pas la moitié de ce que tu possèdes, même pas la moitié de tes connaissances. Et ils n'ont probablement pas vécu le tiers de ce que toi, tu as pu vivre depuis ton arrivée sur Terre. Considère-toi chanceux d'être la personne que tu es. Sois fier de toi, de ce que tu as accompli jusqu'à maintenant. C'est dans le partage que tu te rendras compte de tout ce que tu es et de tout ce que tu as. C'est le temps de faire du ménage, de te débarrasser des objets qui ne te sont plus utiles. De toute façon, ce sont des énergies qui stagnent. L'univers frappera bientôt à ta porte pour combler le vide que ce ménage a créé et pour le remplacer avec ce dont tu as besoin aujourd'hui. Va donner ton nom pour faire du bénévolat. Parmi les gens que tu vas rencontrer et aider, l'univers placera sur ta route la personne qu'il te faut pour obtenir l'avancement que tu attends. Plus tu donnes, plus la vie te donne à son tour. C'est ce qu'on appelle le karma. N'aie pas peur du vide ou du manque. Ce que tu laisses aller, ton âme sait qu'elle n'en aura plus besoin dans le futur. Elle sait que tu recevras mieux tout à l'heure. Fais le don de bon cœur. Fais-le avec joie. Amuse-toi. Observe le sourire et les yeux des gens lorsque tu partages. À elle seule, cette situation devrait te combler de bonheur. Le bonheur de pouvoir partager. Quel privilège tu as. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Douce pensée, Angélique.